Bonjour tout le monde! Oh mon dieu, <laughs> les gars, les bon. enfoirés! Yo, fuck that, gars, on est de retour! <laughs> les gars, guys, on vous a quelque chose? Ils sont médicaments en ce moment. Ils sont médicaments. <laughs> Ils commencent à en Épisode 15? 15, guys? Yes, 15, 15. Marc, ouais. 15, 15, Numéro 15. Yes, yes. So, on a deux nouveaux produits québécois, on commence par ça, les 15 premières ouais. minutes. On est de retour Bam. à notre euh, programmation habituelle après deux invités qui sont venus voir Pierre ouais. Cruz, Nato Miranda. Quelque chose que je voudrais faire aussi avant qu'on rentre dans ça, parce qu'il faut qu'on le fasse, puis on s'est dit qu'on allait le faire. Guys, allez subscribe au YouTube. On peut mettre le link ici? À moi. Ouais. Ici, dans mon... Allez subscribe au YouTube. Partagez en grand. Puis je vous ah, dis ça parce que vous allez voir là, que les choses là, vont commencer à flécher. Tu veux yeah. pas manquer le bateau? Mark a dit qu'on pourrait mettre l'éditing en bas, bro. Ouais, nice. Tu veux pas? Okay, on va l'éditing. OK, mais... guys, allez voir le lien, bro. Ici, là. Tu mets ici. Subscribe. Subscribe. <laughs> Subscribe. Yellow Sea Podcast. <laughs> so, YouTube. Alors, Ray, je te présenter la première bouteille à ta droite. Fait que, euh, des dernier, dernier temps, regardez, on n'a pas eu de... Nos produits étaient plus humains. Fait ouais. On est retourné à la programmation. On est tout original, dans, dans le fond, on va continuer à boire comme on, on fait boire, à chaque podcast. On a fait euh, une petite podcast. pause, pour le froid, là, Mais là, c'est chill. <laughs> Puis là, on, va on a commencé avec des vodka. On n'a pas fait de vodka. C'est pour non. ça qu'on a décidé de s'orienter vers cette euh, direction-là. Oshlag. Oshlag. Oh, schlag. oh, schlag. oh schlag, mon ça, gars. Tu pas vodka. québécois, pantoute. Puis tu, sais, tu vois, je sais que la de, de, de dernière fois, on parlait beaucoup de <laughs> les bottles Ils étaient tous pareils. Ouais, c'est vrai. Mais le bouchon est quand même pareil. Mais les bois Ah c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est qui C'est bouchon, c'est Ceux qui ont vu depuis le début, on voit qu'un produit québécois, c'est le bouchon aujourd'hui. fait que cela, ça fait quand même un bout de temps qui est dans le congélateur. Ça dit douce, douce veloutée, 40% douce mon boutée. gars. Merci. Ça a été brassé ici. Excellent sur glace et en cocktail. Bien ça qu'on va essayer. Ingrédients pommes de terre et maïs ou de terre autres? et maïs, ça c'est comme euh... ouais ben c'est avec ça que tu fais la vodka là. nice c'est pour ça que les russiens là c'est ça les russiens les russiens genre ils ont les champs de maïs de patates je veux dire des produits faciles à faire pousser au québec ouais n'importe qui devrait faire ça on oh. est des fans de c'est enfin une poutine liquide <rire> <rire> et toi, tu peux couper ça de la partie non guys <laughs> <laughs> on ça sur la poutine okay. avec une bonne vodka Hop, c'est chelé. mais Tout le temps qu'il a pris, c'est ça qu'il fait pas au club. Nato, t'aurais pas engagé, bro. Yo, Nato, il t'aurait <laughs> back... pas engagé. Yo. Y est Promoteur, il aurait dit, yo, il prend trop de temps. Man. Je te donne 16. Je sais que six... c'est comme ça. Attache, tache, 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 tache. Nato, il aurait dit, yo, je te donne 16 piastres, puis ciao, bye. Là. Ciao, bye. <laughs> ça, c'est <ça>, le nouveau <laughs> numéro du jersey. <rires> 16. <rires> ah, mais, t'as rien, tu sais, Tu vois, c'est un... comme de l'huile. Yo, le gars, c'est comme un triple shot ou quoi, là <laughs> Moi, je juste un mini shot, là. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, je sais, je pense que je l'ai pas, euh, pas calculé celle-là. Euh, yo, team. Production. Team Production. Bon, vous allez essayer après. Cheers, bro. Cheers. Cheers à vous aussi. Après. On va voir que ça goûte la pomme de terre du Québec. Ouais, il y a un goût fort à la fin. taimes ça, la vodka? Ça me rappelle des mauvais souvenirs, mais yo. Il y a un goût vraiment fort prononcé à la fin. Ouais, il est fort. Yo, je vais pas te mentir. On dit qu'il manque peut-être un peu trop, trop de goût de... André, regarde, c'est pas aussi... C'est pas genre... Pfff, ta mar... le... <laughs> Regarde, regarde. regarde. Ça, ça coûte un premium, mais... Euh... Ouais je suis pas, pas un amateur de vodka. je peux dire s'il est super bon ou il est juste vraiment fort. On va comparer avec l'autre, on va voir vraiment c'est quoi. Ouais. Mais ça, ça goûte, ça goûte la vodka. Encore là, moi je suis pas... j'ai encore le goût dans la bouche ouais, C'est fort, Comment dire que j'étais habitué au scotch où je vois un petit goût, tu vois. Vu mm -hmm. que là, c'est vraiment comme BAM, alcool direct. Ça goûte un peu la à friction. Ça goûte. Euh, c'est quoi les alcools, les autres alcools ici qu'il y a, genre... Euh pour le ice oh, ouais 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 J's... désolé <sighs> désolé pour que je dis ça polar je voulais ice, pas comparer ça, mais on veut pas comparer ça du polar ice mais, mais... Dans, au niveau du goût comme c'est fort comme ça yeah. t'as raison man t'as pas de micro en passant réfléchis à voix haute ah. non ouais je veux pas être méchant mais oui t'as raison Absolument. Ah. Euh, non même là, ouais, c'est de Vauquet, il y avait quand même ah, okay, du... ouais, il avait ouais, pas un vrai. goût aussi prononcé, man. Essaye celle-là pour voir. Yo, je ne même plus dans le bois. Je vais mettre lui de côté, sorry. Je m'excuse en passant. Il y a no. peut-être d'autres personnes qui vont vraiment aimer mais ça. Mais toi il faut, il faut, les, il faut les mélanger. Ouais, je suis pas un gars de Volca, je suis désolé. Mais encore là, tu sais, c'est comme c'est qui qui boit honnêtement de la vodka sec comme ça. Pas, à part les Russes. Vladimir. Vlad? Et Mark Goodvision. Tu me donnes un autre verre s'il te plaît? Vlad. Ah sur, non, euh... je le mélanger. Mais mélange-le après. J'avais préparé le. Non, ça, je vais mettre le pour l'autre. OK. Ah. C'est bon, je me comprends. Mais tu as pop, -là. Oui, pop celui là Oui, j'ai pop. Pop Nato Miranda. Nato. Dit... En passant, guys, allez écouter le dernier podcast de la semaine dernière. Nato Miranda, on est en train de cook des affaires puis uh, go for it. Ok, je vous présente Opal. Opal qui est Volca de 10 x 7. Celui-là, celui, avec... celui -là, il a été distillé 7 fois. celui là combien de fois? Je n'ai aucune des sept fois. Plus. Je, 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 je <laughs> aucune des sept fois, avec l'eau naturelle de glacier ah, canadien. Tu vois, lui, ce qui m'a attiré... Attends, ah, attends, attends. volcan haut de gamme. OK. Oh, J'ai hâte de voir ça, d'abord. Qui inspire les sens différemment. Né sous les aurores boréales du Grand Nord canadien. Nice. Là où se trouve une source d'eau de glacier Tu vois, lui, comparé aux autres, il donne naturel. pas d'ingrédients. Pomme de terre. Non, non. Non, je sais, mais il dit pas... Genre, lui, il disait, genre, pomme de terre maïs, c'est dans la description. Lui, a aucune description, il dit juste. Mais bah, tais-toi. Lui, il y avait quand même une belle description. Ce que j'ai vu euh, à la sac, ça disait euh, le choix de Caroline. Ouais. Fait Caroline plus, euh, le pique. Puis moi, je les pique. je suis comme ah, Caro, ouais. elle dit que c'est chill. Fait que ouais. Puis en pensant aussi, euh, chapeau pour être différent des autres. Il y a son propre, on dirait son propre logo ici en haut. Pas comme les autres produits. Euh, fait ça, c'est un premium d'abord. C'est un premium. J'ai hâte de voir un goût premium. Fait que c'est ça, man, c'est... Um... Finalement, moi non plus, je m'aurais pas engagé tout. Notre... <laughs> 16 piastres, là. Je ne suis pas capable de trouver quelle distillerie, où, où est-ce été... que ça a été fait, mais l'autre, c'est vraiment juste la distillerie Hushlag. fait que peut-être qu'ils peut qu ont d'autres produits. Pas, pas de mentir, c'est fraîche. C'est cool, man. Hein? Nice. Il oh. euh, y a vraiment Opal, Volca, qu'est-ce que tu voulais savoir? Blue Pearl. Blue Pearl. Ça vient oui. de la série ah, oh, un distillerie. Je pensais de dire la série, je comprends pas. là pas celle-là. Right. Oh, Hushlag, ils ont deux djinns. C'est le, le prochain. Les prochains, hein. C'est les prochains. Pourquoi? Ouais, cheers. 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 Au revoir. Opal. Mmh. Ah. voilà. We got a winner. Oh, J'avais peur de comme... comme... Comme yo, Il est beaucoup plus smooth. Ouais, dans ma tête, le truc qui est moins fort. Genre que... ouais, moi, dans ma tête, suis comme Yo. Est-ce que j'ai pogné un Hangover dans un Volca dernièrement que je suis même plus capable de boire ça. Là. Même plus capable de comme Yoj. Pour de vrai, c'était dur à boire. Celui-là, très smooth. J'aime le fait que tu l'as mis dans le congélateur parce que justement, c'était brassé avec du glacier canadien. Pour de vrai, chapeau, vraiment bon et je le recommande pour de vrai. Opal, Opal. Boom. Ouais, Opal, je pense qu'on euh, on, on peut déjà le sentir, la différence, que c'est la direction qu'on va aller, qu'on va finir par euh, oh, ouais. consommer lui. Vous allez voir nice, l'évolution nice, au nice. courant de, du podcast ouais. du Opal. So, good job man, good job. Good job, good good job Opal. Good job, good job. So, une note, on fait des notes comme d'habitude. Je donne une note de 8 sur 10. Euh, J'aurais voulu avoir un peu plus de description au niveau de la bouteille, sinon une très belle bouteille. Moi aussi, je donne un 8. 8, puis je donne un 6. Ça, c'est. Il, il est fort, encore là. Il va falloir que tu, tu mixes ton jus de canne ah ouais. avec. Là. Puis ça dépend aussi. Tu vois, je, je le bois comme ça, si je suis correct. Euh, ouais, ça se peut qu'il y ait du monde qui aime les goûts plus prononcés d'alcool, alcool. Puis il aurait choisi un schlag, tu vois. Mais est, il est définitivement beaucoup plus smooth euh, opal. Ouais. Puis là, euh, juste pour continuer, Ray, j'ai une question pour toi. Go. Explique-nous un peu. Comment ton idée du 28 jours pour ceux qui ont suivi un oh. peu tes capsules? Comment l'idée, je suis sûr qu'il y a du monde qui se pose et qui dit pourquoi quelqu'un aurait fait comme Damn. Je vais faire une, une vidéo chaque jour avec différents entrepreneurs, euh, différentes personnes qui sont en train de marquer, le, marquer les produits québécois. Donc, euh, dis-nous comment l'idée est venue, puis si, si tu peux nommer trois défis que tu as eus durant ton parcours, puis en même temps, peut-être dire aux gens c'était quoi le 28 jours. Ok, intéressant. L'idée est venue durant un meeting, puis ça là, j'ai partagé une coupe de fois. C'était le 28 septembre. Donc, dans le fond, le 27 septembre, on a été annoncé qu'on s'en va dans un confinement numéro 2. Encore une fois, zone rouge. Puis, euh, puis là, tu sais, un meeting le lendemain. genre euh, un meeting avec des, un client. Puis il demande Hey, comment on pourrait aller chercher beaucoup plus de reach organique Fait que moi, j'ai dit, comme j'ai lancé comme ça, hey, regarde, il y a une pandémie, ben y a un confinement qui s'en vient. Puis je pense que ce serait un moment que vu que les personnes vont être à la maison, de, puis plus vraiment sur leur euh, sur leur mobile, sur leur ordinateur, fait que, hey, lance des, une série de capsules ouais. tous les jours, tu vas donner des conseils sur ta business. Puis c'est plus la business financière. Fait, fait que ils ont, trouvé ça, ils ont trouvé ça une bonne idée. Ils ont trouvé que c'était une super bonne idée. Puis après ça, on a fait des jokes. Ha, ha, ha. Shit and giggles, on a passé à un autre sujet. Mais moi, genre deux heures plus tard, j'ai comme ça me restait pogné dans la tête comme. Ah, c'est une bonne idée c'est une bonne idée, une bonne idée puis... le monde sont à la maison ils vont se mettre sur l'ordi ou sur les réseaux sociaux comment je pourrais attirer leur attention fait que exactement fait, moi je dis regarde moi j'ai lancé l'idée à un client moi c'est ça ma job donner des idées puis donner vraiment des solutions il n'était pas partant puis il n'était pas partant parce que je pense qu'il manquait de temps il n'y avait pas vraiment ce temps-là puis, puis aussi il ne comprenait pas parce que des fois quand on donne ouais. des solutions nous on voit le pourquoi les clients ils ne voient pas des fois là, son intérêt tu vois fait Ouais. étant la personne que je suis, que je vais juste me lancer. Il y a certaines choses que j'ai voulu prouver aussi pour commencer. Mais je me suis dit, regarde, le lendemain, j'ai lancé ça au team. Ouais. On euh... est des premiers qui t'a dit, ouais. hein? « ouais, Yo, guys, oui. guys, vous êtes down. Alex, Tacos. cause. » Tu présentes un peu le concept, tacos. cause. T'as ma vision, une photographie. T'avais Alex dans le marketing. T'avais déjà comme... Ouais. Les quatre premières journées, t'étais déjà comme... Ouais, exactement. Je, comme Puis là, puis regardez, l'affaire, la le, le challenge, dans, dans les challenges, c'était comme... Premièrement, comment on va le faire, c'est quoi qu'on va faire? Ouais. Puis, moi, la leçon que je veux tirer de on dit, ce, ce, ce projet-là, c'est que ça a été très dernière minute. Puis, on a réussi, gardez on a réussi à lancer 28 fucking capsules de, de, de valeur marketing. Il y a eu 23 invités. Euh, il y a été ponctuel. La seule journée qui n'a pas été ponctuelle, c'est le premier vidéo, juste parce que c'est moi qui ai foiré puis la première erreur. Ça a été vraiment, je voulais faire des lives. Ça n'a pas marché. Facebook, ah ouais, le, le technique Facebook a, bien, exactement. La partie technique, Facebook a planté sur moi. Instagram a planté, planté sur moi. Moi, ça me stressé parce que j'étais préparé. Puis j'ai comme, non, je ne suis pas capable. Le lendemain, j'ai enregistré l'intro. Puis je suis allé là. Puis on est là. Fait que J01, ça a été le seul vidéo que vraiment, la, le seul qui n'a pas été à jour. Sinon, tout le reste a été ponctuel. Nice, nice. As tu as dit du monde que tu veux. Je sais que tu fait une vidéo de remerciement. Ouais déjà, mais en gros, dis-nous, à part le fait de rassembler des gens, des gens c'est quoi un défi que tu avais comme tous les jours? C'est-tu le fait que tu étais constant ou c'était vraiment genre, euh, euh, est-ce qu'il faut que je cherche des types de questions, je ne connais pas, je ne sais pas faire interview je suis en train faire des interviews. C'était quoi le fait qui est sorti un peu de ta zone de confort et arriver à, à mener ce projet à bout? Genre? Ma zone de confort, est-ce qu'il a fallu que je sorte? C'est que premièrement, la plus grosse, le plus gros mensonge que je me disais, puis je l'ai partagé dans une des vidéos, le plus gros mensonge que je me suis dit, puis que plein de personnes se disent Ah, oh, j'ai pas le temps de faire des vidéos. C'est ça. Ça, c'est un truc important en live, là. J'ai pas le temps. Comme, malgré toutes les heures durant la journée, t'as pas le temps. Mais, j'ai oh, réussi à fucking pop 28 vidéos en 28 jours. Yeah. Donc, c'est 7. C'est sept vidéos par jour. Ouais. Il, y a, il y a des journées, puis comme le, le défi, ça a été vraiment comment je vais pouvoir me maximiser mon temps pour pas avoir à vraiment être pogné comme euh, je dois dépendre de ça. Fait j'ai commencé à booker tout le monde. Parce il faut comprendre, tu n'es pas seulement en train de faire des vidéos, tu as ensuite ta business à rouler. Ben oui, il y a aussi les Yellow Seats. Ça... Ouais, ouais. Hey, Les podcasts, on n'a pas arrêté. Les, ouais. podcasts les podcasts là même, étaient là Les podcasts étaient là, tu avais ta propre business et en plus, tu avais ce projet en main. Ça veut ah, dire ouais. que le, pas le temps, pas le temps » C'était juste une question de planification. Exactement. Et de dit. volonté et de croire en, à ton projet. Mais tu, sais, tu vois, puis ça, c'est la leçon aussi que moi, je veux que le monde apprenne derrière ça. Quand on dit on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Moi, avant ça, en septembre, je voulais faire une vidéo par semaine. J'avais de la misère parce que je me disais j'avais pas le temps. Un par semaine Un par semaine. Et en 28. 28 en un mois. So, fait, en ce moi, je pose la question aux gens là, quel est le projet en ce moment que vous avez Pas le temps. <laughs> pas le temps. Projet pas le temps, c'est lequel puis si vous n'êtes pas capable de savoir c'est lequel, parce que vous, vous dites non, moi je suis quelqu'un qui réalise tous mes projets, va voir ta copine et dis-lui si tu déjà arrivé que je t'ai dit que j'allais faire quelque chose, j'ai pas le temps Elle va commencer à parler, ça faire comme ok, 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 ok c'est beau, c'est beau. Et en passant, tu m'as que tu allais réparer ça, tu allais perdre du poids, tu allais faire tes lunchs, tu allais lever tôt, allais, hein? là, elle va faire ok, ok, c'est beau, j'ai compris, tu vois. Fait que la leçon, c'est quelque chose que je voulais, que je veux que les mains, les personnes comprennent. Le pas le temps, c'est de la bullshit. C'est le plus gros mensonge que ouais. tu vas te dire à toi-même. Moi, je n'avais pas le temps de faire une vidéo par semaine. J'ai réussi à en faire 28 en 28 un mois. 28 en un mois. Ça, c'est. Puis. Plus puis, les podcasts. Puis, pas seulement ça, c'était des sujets qui n'étaient même pas reliés directement pareil. Dire, moi, tu un gars comme moi qui faisait des podcasts, ouais. euh, qui faisait des tacos, restauration. Tu avais moins Good Vision qui était dans la photographie. C'est comme rien à voir avec un l'autre. Tu ne peux pas dire, genre, cropper coller les questions. Genre. Il fallait vraiment que tu fasses le temps de faire tes recherches, poser les questions, avoir une personne différente, interagir avec la personne aussi, tu vois. Exactement. Puis, gars, euh, l'autre défi qui est venu, c'est que ce que j'ai remarqué, puis ça, c'est vraiment, même, je l'ai annoncé dans le début de, des, des podcasts qu'on a commencé à faire. Un des objectifs que moi je veux me donnais, c'est améliorer ma communication, parler mieux, pouvoir poser des bonnes questions. Puis j'ai senti qu'au début, quand j'avais les invités, quand es vous, avec l'équipe, c'est chill parce qu'on se connaît déjà, fait que c'est facile de poser une question, je sais déjà à quelle direction on s'en allait. Mais quand c'est du monde que je parle jamais, qu'on ne se connaît pas, médias sociaux seulement, là c'est différent, surtout que vraiment tu as un domaine que, un peu différent que le mien. Le défi a été que c'est quoi, quoi les bonnes questions vraiment pour pas que la, pour pas que la conversation se perde puis que ça reste pertinent au, à l'objectif que moi ouais. je veux donner qui est de comment on va aller chercher de la valeur sur qu'est-ce que toi, ouais. qu'est-ce que tu peux m'apprendre. Si quelqu'un... Il ben fallait que je me, je me mette dans les souliers d'une autre personne comme les personnes qui ont écouté ça, il faut qu'ils apprennent quelque chose. Ouais. Je le fais pas pour moi, je le fais pas pour la personne qui est à, que j'interview, je le fais pour la personne qui va écouter comme... Oh shit, yo, c'est fou ouais. qu ce que tu viens de dire. Puis la seule façon pourquoi mon invité, il a dit quelque chose de fou, c'est que moi, je pouvais contrôler la direction en posant des bonnes yeah. questions. Puis ça, c'est un truc qui est vraiment un peu difficile à faire c'est se mettre à la place des gens qui vont écouter l'échange le, le, d'interview. Puis en même temps, se dire, comme est-ce qu'ils apprennent quelque chose Est-ce qu'ils sont entertained est-ce qu'ils réagissent? Est -ce qu tu vois, je pense qu'il y, y a un côté que LS scream a dit. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont fait comme. On a vu, on a vu aussi. là Tu peux, tu peux donner, partager la petite anecdote. là Elle est comme euh, quand tu parlais d'un produit, tu as dit le nom de. Ah, oh, ça goûte comme. Euh, tu as dit. Ah. ah, tu vois. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont réagi à ce moment-là. Ils ont fait comme. Yo, est-ce qu'il vient de dire ça, lui? Tu vois, je veux dire? Ouais. Puis, ça peut arriver parce que ça faisait partie. Tu pas nécessairement dans la discussion, c'est genre. T'as pas pris comme une heure avant de dire OK, voici les sujets, c'était live. Puis elle avait écouté un des podcasts et elle a fait comme Oh, moi ouais. je sais qu'il y a plein de monde qui a réagi à ça aussi. Là. Mais c'est ça l'affaire, tu c'est comme Il y a. Parce une des idées aussi que je voulais pas que ça soit. Je suis une personne qui freestyle. La, la même façon que le projet a été freestyle, les échanges allaient être freestyle. Fait qu'il n'y avait pas une planification. Il y a peut-être une personne qu'on a eu un appel juste avant. On a pris un appel deux trois jours avant puis on s'est dit tu sais parce qu'il me connaissait pas moi c'est la première fois que je lui parle. C'était très dur à avoir quelque chose fait un qu produit à livrer là. Lui il a dit oui mais quand même c'était un peu vague puis je pense qu'il voulait comprendre aussi il voulait pas perdre son temps parce que quelqu'un qui est super occupé puis qui m'a donné mon il m'a donné son temps aussi nice. ça a été une super capsule aussi mais on a eu un appel juste à quelques jours avant juste pour au moins comprendre c'est quoi la direction de ce projet là puis ça a été la seule fois, mais sinon, toutes les autres conversations, ça a été des purs freestyles. Mais où est-ce que je pense que j'ai gagné par moi-même, je me suis connu, c'est qu'il y a eu une amélioration constante. Parce que, comme je te dis, admettons, en J06, c'est là que les invités ont commencé à rentrer. À un moment donné, ça c'était le premier, puis c'était avec Jonathan, je chantais que je me suis planté sur des questions. Je suis comme, oh fuck, Genre, juste après qu'à la fin, j'étais comme, yo, ma question était pas sharp. Ouais. Elle était pas sharp. Puis lui, il essayait de la répondre le mieux possible. Puis moi, c'était pas de sa faute, c'était moi encore là. Mais toi, ça, cette erreur-là a fait en sorte que. Je t'ai amélioré pour les prochains. Genre. Je me suis dit, tu sais, les prochains, nah, fuck it. Je vais m'améliorer sur mon... mes prochaines questions. Mais t'as pas répondu, là. C'était quoi le nom que tu as dit du produit Giraffe. Giraffe. Ah, uh, check la face de moi ah! mais il va le je vais faire comme. <laughs> oh, t'as oh! dit, dit ça Sans honte <laughs> mal élevé en fait il n'était pas là tu vois je te disais que ça je te disais que des fois c'est ça que tu es comme veux-veux pas dans le freestyle tu es content que même ça a été euh, une réaction comme ça tu es comme on crée des réactions au podcast on dit des fou, trucs ouais. on va faire du freestyle puis c'est toujours fun que les, les gens qui, qui regardent le, le podcast vont dire comme yo en passant tu fais l'interview live mais juste te dire un point quand t'as dit ça au podcast ouais, ouais, <laughs> elle est partie à rire bah, ouais. tu vois ça c'est c'est toujours fun d'entendre en, ce genre de commentaires. Ça veut dire que le monde apprécie, nous écoute. C'est important que vous follow et subscribe dans notre YouTube. Tu vois, je glisse à live. Une petite question real quick. Ouais. Euh, je pense qu'à chaque podcast, on parle un peu de qu'est-ce qu'on a appris dans la dernière semaine. Puis là, j'ai une question pour Ray. Qu'est-ce que tu as appris le plus dans les derniers 28 jours, au, au, au niveau de la communication, exemple? Euh, encore là, c'est que des fois... Il y a des, il y a, dans les derniers clips, j'ai posé une question à un moment donné. Je pense à Tracy. La question, elle a été, genre, c'est une question de cinq mots, puis qui a ouvert, genre, Tout une pff, une, toute une discussion. Toute une discussion Fait, Des fois, c'est pas vraiment aller trop dans le, dans le complexe, d'essayer d'aller de, 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 vraiment ouais. poser la question la plus euh, scientifique, savante ou whatever. Ouais. Juste quelque chose de simple, ouvert, puis bam, ça ouais. peut aller tellement à, à des choses. Ouais. Moi je peux donner un je peux donner un conseil aux gens qui font ce genre de pratique de comme interview. Tu sais, maintenant qu'on est dans confinement peut-être on va avoir de plus de plus de gens qui vont commencer à, à suivre ce côté-là de faire de yo, j'ai faire des lives, j'ai faire des interviews. Donc moi je veux dire c'est être capable de guider ton interlocuteur mais il faut vraiment que tu sois attentif quand tu l'écoutes. Genre tu poses une question comme parle-moi de ton projet, puis elle te répond genre ou il te répond genre mon projet c'est euh, vendre des sacs là, tu, tout. là tu regardes et tu es comme, shit, ok, ça va pas être facile cette interview. faut que tu saches que la question qui est à poser, là, tu poses la question, est-ce que c'était hors sujet Est-ce que la personne comprend que je voulais pas de son produit Il veut pas parler de son produit Il est pas confortable Il y a quand même toutes ces questions-là qu'il faut que tu sois rapidement pour dire comme, il me répond genre, je vends des sacs, tu es comme, yo, je fais quoi maintenant Tu vois yeah. le dire Puis là, c'est vraiment l'écoute qui va te dire, ok, tu vends des sacs, ok, mais tes sacs, est-ce qu'ils ont un matériau spécial C'est là que toi, tu dois être capable d'aller comme diggin, puis arriver à un point où tu vas poser une autre question qui va l'ouvrir à lui, tu vois. Exactement, c'est ça. Il tu faut pas que tu arrives avec des questions prémontées, parce que si tu files, si tu as un sentiment que tu fais des prémontées, tu vas vouloir suivre ton protocole de, 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 de questions prémontées et tu vas perdre la discussion. Moi, je suis comme un peu comme Ray. On pose la question et tout dépendamment de la personne qui répond, si elle commence à... S'ouvrir, t'es comme nice, I got something. Yeah. Puis là, tu fais juste la guider comme ah ouais, explique-moi ça. Et ah, intéressant, t'as arrivé ça tout seul ou as eu. Tu vois, je veux dire, juste guider. Puis des fois aussi, il y a des gens qui vont trop parler comme je suis en ce moment. Puis t'es <laughs> comme yo, c'est chill. Yo, comme, euh, euh, tu, tu ramènes la question ouais, à dire. Ouais. Tu, puis ensuite, c'est quoi l'autre étape, tu vois? Dis-moi ce que je t'en pense, ok? Um, Penses-tu qu'un bon communicateur, pendant qu'il communique avec quelqu'un, il y a une discussion qui se passe avec l'autre personne, mais il y a aussi. Des pensées dans sa tête. Fait que tu fais comme ouais. deux choses en même temps. Tu penses dans ta tête, mais aussi tu es en train de communiquer avec l'autre personne. Fait que genre, être capable de faire deux choses en même temps, je ben, pense que c'est un skill. Ben... Genre, oh, ouais? Oh, comme maintenant tu vas gérer. Puis je Ouais, on dirait que je suis le genre ouais, que s'en ouais. lui. Voilà. <laughs> oui, t'es capable. Ah, non, non, c'est sûr. Moi, je te dis, quand tu, quand tu fais ce genre d'interview, puis si tu penses à ton propre intérêt, comme les gens à la maison vont dire Yo, je vais avoir un follow, hey, je vais avoir plus de follow. Euh, je, vais faire des, je vais faire ça pour moi, me mettre en valeur, tu risques de perdre trois quarts des gens parce que les questions que tu vas avoir, ça veut dire ton propre intérêt. Ou tu, où tu penses à qu ce Donc, que ton audience veut pendant que tu parles. Pas seulement que tu ton fais audience, ton parce que le respect, le vrai respect, c'est la personne avec qui tu parles. Mm -hmm. Donc c'est elle qui doit avoir le aim dessus. Puis si tu l'as invité, c'est parce qu'elle a quelque chose de spécial. Et c'est à toi d'être capable de mettre ce quelque chose de spécial aux ah, yeux des exactement. gens. Ouais, ouais, c'est les gens qui vont faire comme Waouh, j'aime comme avec, avec Nato, tu vois. On amène Nato, on amène Pierre Couz. Ils ont tous des gens avec des histoires. Sur Les gens, on n'est peut-être pas les meilleurs podcasts, mais le fait qu'on laisse la place à les gens s'exprimer, il y a peut-être d'autres personnes qui sont en train de regarder et Oh, j'aime ce que le gars a dit, tu vois. J'aime le, le, le fait que l'échange, c'est un échange de communication ou c'est juste drôle, puis j'adore ce qui se passe. Tu vois je veux dire Mais le fait qu'on l'a, lui, host, c'est on host lui en plus. Ouais, exactement. Mm -hmm. Et les gens vont, vont venir apprécier. Ce qui se passe, tu vois. Mais qu ce qui est intéressant par rapport à sa question, puis qu'est-ce que tu disais juste antérieurement, c'est euh, quelque chose que moi j'ai aussi comme appris à faire, que je faisais déjà, mais c'est juste différent quand tu fais dans ce contexte-là, on dit interview, c'est l'écoute active. Parce ouais, que c'est que la personne, tu poses une question, fait je savais déjà que quand j'allais ouvrir, il fallait que je pose une question qui devait aller dans une certaine direction. Moi, j'avais déjà, genre, euh, comme tu dis, genre, quand c'est scripté, mais malgré tout, il y avait beaucoup de freestyle, il y avait quand même, genre, un, une, quand même... une fin où est-ce que ouais. je vais diriger la, la, les affaires. Puis ça, c'est important que je pourrais dire pour les personnes qui, vont, qui veulent commencer à faire des interviews, c'est comprendre c'est quoi ton objectif, puis contrôler la, la conversation. Mais en autres, pour ne pas aller dans ce sujet-là, mais ce que je voulais dire, par rapport à l'écoute active, c'est que il faut que tu sois capable d'écouter la personne, te poser une question, puis il ne faut pas que tu ailles dans d'autres mondes où est-ce que moi, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je vais manger, ah, il est quelle heure, euh, rien comme ça. Il faut que tu sois focus sur la personne, mais pas focus comme toute force. Il faut que ça soit naturel. Puis euh, ce, ce côté naturel permet de vraiment que, pendant que la personne parle, tu vas juste embarquer sur une question qui, qui a de la valeur. Fait tu sais, c'est comme, il, il faut être capable de vraiment payer attention à la personne de, de toutes les, les choses qu'il dit. Puis ça, c'est quelque chose que moi aussi, j'ai commencé plus à m'améliorer que je voyais au fur et à mesure. Au début, c'est comme tu le fais, mais ouais, ça devient plus naturel après de pouvoir écouter la personne puis capturer vraiment où est-ce que tu vois, genre, parce que dit quelque chose d'intéressant puis elle continue à parler, puis c'est là qu'il faut que je retienne qu'est-ce que tu veux, parce que je veux en savoir plus sur ce point-là. Ouais. Puis c'est là qui est important, parce qu'il y a deux choses que j'ai appris aussi dans une relation, par exemple, que je pourrais dire avec euh, ma partenaire, c'est que il y a du monde, ça c'est la problématique que je vois quand tu es en une conversation avec du monde, tu as deux types d'écoute, de, de, l'écoute active, puis tu as l'écoute juste pour fucking répondre. Il y a du monde que euh, tu peux voir déjà qu'est-ce qu'ils font parce que l'écoute active, ça va permettre de vraiment comprendre ton point de vue, ouais. être empathique, je me mets dans tes souliers, puis je peux comprendre qu ce que tu veux ouais. dire. Puis pour ceux qui se posent la question, c'est comme c'est quoi l'écoute active, je comprends pas. Yeah, ben, c'est genre la chose où le comédien fait une blague au début, un inside puis il reprend le même inside à la fin. Puis là, tu ris parce que t'es comme Ah, il a dit au début, c'est une bonne histoire. Tu vois, oui. ça c'est juste comme ça. Les comédiens sont forts parce que quand t'achètes un billet pour aller voir un show, tu fermes ta bouche, puis t'écoutes. Tu vois, Donc là, t'es capable de faire comme là, tu comprends la joke du début. Il dit comme Ça est arrivé. Là, il parle, il parle, il parle. Là, il te shoot le début de la fin. tu bah, t'es comme Trop drôle le gars, tu vois. Parce, parce ça... que t'as été attentif tout le long. Tu vois, ça c'est nice. C'est ça l'affaire parce que deux types d'écoute que j'ai remarqué, tu sais, vraiment avec le temps de. Le... T'écoutes pour comprendre et t'écoutes pour répondre. Ouais, il y a un truc qui dit t'écoutes, l'autre c'est t'entends. T'entends, mm -hmm, yeah, yeah. c'est du bruit. Mais <laughs> t'entends, t'entends, je t'entends, mais je t'écoute pas. Après, mais je sais déjà que je vais te dire. Il ouais, y, y, y a écouter, il y a écouter, puis il y a entendre. Pas, genre, ouais. Exactement, ouais, puis sûr. Puis l'écoute active, vas-y. Yeah, yeah. C'est ça, là je t'allais sur vois gauche, pas, mais il est là, 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 là. Ouais, salut, salut. Je suis allé sur Google, j'ai juste écrit l'écoute active pour plus comme savoir c'est quoi. Puis là ça dit. La reformulation, c'est une des clés les plus importantes dans l'écoute active. Fait est capable d'écouter l'autre personne puis reformuler qu'est-ce qu'elle a dit, ça vient à. Ça, ça touche à une technique de négociation, genre mirroring. Tu, tu fais la même chose. c'est la vente. Yeah, est ça, ça. Regarde, comme un exemple où est ce que j'ai. Euh, quand même, je trouve que je l'ai bien suivi. J'étais fier mm -hmm. de comment je l'ai enchaîné. C'était avec charlotte euh, à Madonna. Madonna. Madonna, Madonna Dumi. Puis. Parce elle parlait vraiment, vraiment de, de comment elle a évolué son produit, et ainsi de suite. Puis des choses que je remarquais qu'elle n'a pas dit, mais je suis comme, oh, OK, fait que premièrement, tu as réussi à développer un produit euh, en écoutant tes clients. Fait que Juste parce qu'elle a écouté ses clients, elle a développé un produit. Puis en développant ce produit-là, elle a réussi à créer une relation. De plus par rapport à son service, qui était un service après-vente, parce que les personnes allaient à son salon pour des services de beauté, mais parce que l'écouter, qu'est-ce que les, les clients ont besoin, par la suite, elle a réussi à s'offrir un produit que quand les clients ne sont pas dans la shop, ben, ils continuent à faire affaire ouais. avec elle. Puis ça a Puis, été un, un service après-vente parce qu'ils vont commencer à continuer à appliquer le produit. Je vais si une parenthèse à ça. Je trouve ça tellement fort parce que les entrepreneurs, tu vois, qui ont du succès, c'est souvent des gens qui font des choses, ils testent, sans nécessairement comprendre qu'ils suivent une, une suite logique. Exactement. Comme, ils, ils vont dire, oui, on le sait, mais en même temps, c'est comme, oui, tu le fais, mais c'est pas planifié comme ça. Tu vois, je veux dire. Et souvent, on va sûrement le voir, exemple, avec des gros noms, comme, exemple, tout ce qui est comme Bill Gates, nanana. Nan nan. Tu auras des, des cours euh, dans des grosses universités américaines qui vont étudier le succès d'un de quelqu'un qui n'est jamais allé. Ouais, ouais. Tu vois? Puis ils vont se dire, genre, comment cette personne-là a fait pour atteindre ce succès, soit Steve Jobs, ils vont se dire, genre, on va étudier sa carrière en économie, puis on va, en, on va enseigner ça, tu vois? Mais Steve Jobs, nécessairement, il n'a pas fait un livre quand il a fait ça. Il a fait des essais-erreurs, il s'est lancé, il y avait une logique, il était, il était intelligent sur certains trucs qui ont fait en sorte que, aujourd'hui, on regarde, puis on est comme... Oh shit, ta vie, il a suivi l'étape de ça. Et mm -hmm. si on lit l'histoire de Steve Jobs, puis t'entends les gens parler un peu de ce qu'il lui était, c'était un des pires boss. Mm -hmm. Il faisait travailler les gens comme des heures de fou. Genre, les gens pouvaient comme dormir là, puis les crier dessus, puis les pousser à, à un niveau comme débile, genre, tu vois. Mais on le présente comme un leadership dans, sa, dans son approche. Tu vois, je veux dire. Ce que je veux dire so là-dedans, ce là c'est qu'on va souvent prendre des entrepreneurs, étudier ce qu'ils font. Puis on réalise que c'est des suites logiques comme toi, tu as remarqué, tu es comme, oh, étape 1, 2, 3, tu l'as faite. L'autre personne est comme, ah ouais, 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 j'ai fait ça, tu vois. Ouais, ouais. Puis je ça ça. fou quand même comme ces gens-là, ils sont capables de faire des, des moves sans nécessairement comprendre nécessairement ce qui est marketing, vente et tout le reste, tu vois? Puis j'ai eu cette conversation avec, je pense c'est un client, si je ne me trompe, mais on a parlé de vraiment euh, comment il y a certaines personnes qui sont allées à l'école qui, comp qui comprennent toute la théorie universitaire académique. Puis il y a d'autres personnes qui ont du succès, autant de succès des entrepreneurs qui ne sont pas allés à l'école, mais ils savent appliquer tout qu ce que l'université t'apprend sans connaître les termes nécessairement. Puis ça, c'est des personnes qui c'est comme plus naturel ou est-ce qu'ils comprennent la logique de, Ah, oh, fait, toi, tu me dis que tu aimerais ça avoir euh, un produit après que tu viens faire des services chez moi. OK, je vais développer un service pour euh, te combler, pour encore plus avancer ma business. Pis, Vu que je t'ai écouté, tu vas être encore plus satisfait. Puis, je fais encore plus d'argent parce que c'est encore plus satisfait. Oui, parce que le, le, ton cost est beaucoup plus bas de créer ton propre produit que de payer un tiers, deux tiers, d'un autre tiers, d'une autre personne. genre. Exactement. Fait que, j'ai remarqué exactement ce que tu dis. C'est que c'est des personnes qui comprennent les structures, la logique, ouais. le bon sens de business ouais. puis, naturel. Puis, je trouve ça un peu dommage, je sais qu'on sort un peu du sujet, là, mais je trouve ça un peu dommage que qu'aujourd'hui, euh, J'ai beaucoup d'amis qui me disent Yo Alex, je me suis lancé dans mes études en ligne, Enfin, une maîtrise. Yo Alex, je me suis lancé à, à suivre des cours euh, de communication. Yo Alex, je me suis... parce que c'est la période du confinement, tu vois. Puis moi, je dis, mais pourquoi tu ne te lances pas un projet tu vois, dis, Pourquoi tu es pas de, comme, euh, de mettre en pratique ce que tu sais déjà et ramener de la valeur C'est quoi qu'ils disent comme qu excuse Ben, ils disent comme Yo, ben, ouais, ouais, ouais t'inquiète, t'inquiète, parce que. Tu vois, mon plan, là, c'est de faire ça puis aller gagner un meilleur attends, salaire. Attends, attends, attends. Je veux dire, je veux dire quelque chose à dessus OK? Le projet 28 jours, l'idée et la décision qu'on allait le faire ont été faites en une journée. Une journée, paf! Une journée. Le logo, landing page, le tout, le design. <laughs> ouais. ding, 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 ding. So Quand je vois des trucs comme ça, je suis comme... Comme guys à la maison qui écoutaient ça, c'est genre... Euh, avant de peut-être nécessairement lancer dans des études... Genre, pourquoi penser à un projet comme le 28 jours? C'est ça comme, la, la parallèle que je veux, ouais. je veux démontrer. Comme quelqu'un comme ça, tu dis, yo, va voir le, le 28 jours de ce dude-là. Il, il a lancé 28 fucking vidéos avec 23 invités en une fucking journée. C'est ça. Puis, exemple, mais même les gens, là comme je ne vais pas te dénigrer quoi que ce soit, comme l'emploi, si tu ne fais rien à la maison, tu as une voiture, pourquoi tu ne pas gérer ton temps avec Uber? Comme juste de même, là. Je, juste, fais-toi un petit 100$ que tu n'as pas hier. Tu vois, je veux dire, pis ces 100$, là, va voir, appelle Raf, puis demande-lui comment tu peux investir dans le Bitcoin. Tu vois? Comme moi, je pense que l'ère d'étude est là, mais l'ère de la pratique est encore plus grande. Exact. Puis, exécution, moi, c'est quelque chose que je dis, tu sais, c comme regarde, j'ai parlé à quelqu'un d'autre, puis s'il écoute ça, il va se reconnaître, puis rien de méchant. Puis, je vais être transparent aussi parce que je te l'ai dit en personne. Mais, puis je le redis live en podcast. je le redis pour que les personnes comprennent. Au cas où tu n'as pas compris. Non, ah, c'est vrai. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Mais cette personne-là, il est brillant, il est bright, puis tout. Puis j'essaie de comprendre, il est où le trigger, pourquoi tu ne le, tu le lances pas. Mais. Parce la personne, comme, il dit J'ai enregistré 50 vidéos. Je suis comme. 50 vidéos. Puis il dit J'ai fait ça l'année dernière, puis ça s'en vient, je vais l'ai lancé. Puis je suis comme, lance-les. T'as pas lancé un? Même pas un preview. Lance-les. Mais il attend le moment. Il attend, tu sais, vraiment. Puis, gars, il, il écoute ça. Là, il va m'écrire. Ça, ça va être drôle comme conversation. Il a très pu inventer. Tout ce que, que je suis en train de dire ici, je lui ai dit aussi, genre, au ouais. téléphone. Puis, j'ai dit, check mon fucking 28 jours. J'ai fait 28 vidéos. 50% des Qu'est-ce que toi, ouais. te genre, et chien, en plus, pensé, là, on a des podcasts. Et on chaque fait des podcasts. Et mon reach de jour 1 à jour maintenant a fucking augmenté de ouais. je pense 4000 Come on guys. Je pense que genre j'ai sur Facebook, j'ai 400 nouveaux amis depuis que j'avais pas en septembre, maintenant. Ouais. Je veux dire même moi comme je check dernièrement mon horaire de temps, je dirais j'ai arrêté ma job dans les condos, je me suis lancé à mon compte comme consultant. L'argent que je génère aux entreprises avec qui je fais affaire je capote à quel point juste une décision d'arrêter un 9 à 5 et de lancer dans un contexte où je, je mets mon énergie à une place, je contrôle cette énergie-là à, à produire de l'argent, à satisfaire des clients. Tout ça, avoir juste pris une décision de dire je vais faire les choses autrement. Tu vois, je n'ai pas pris des livres pour apprendre à faire ce que je fais. C'est simple. Je prends un contrat. Je trouve quelqu'un, je réalise le contrat et je contrôle la situation. Exactement. Voilà. Et je ne et contrôle pas les gens. Je contrôle si les matériaux, c'est pas les bons matériaux, j'arrive à trouver les bons matériaux. Tu vois, je veux dire. Mais je n'ai pas besoin d'avoir un doctorat en gestion de projet pour faire 1 plus 1 fait 2. Ou aller 3 et quand, ans comme au cégep, puis avoir. Ouais, un... Par contre, la discipline papier. que l'école m'a amené, ça, je l'apprends. Les connaissances qui m'ont permis de comprendre la construction, 100% mais générer l'argent c'est pas compliqué il y a un service il y a un besoin quelqu'un il faut qu'il paye pour le besoin quelqu'un va payer pour le service les deux cas t'es payé il faut, juste, il, il faut le faire c'est comme que ce soit des vidéos tu vois je veux dire que ce soit des vidéos tôt ou tard un projet qui devient comme euh, où tu génères pas d'argent jour 1 va générer de l'argent jour 5 si tu mets ton énergie dedans et si vous n'avez pas encore lu ce livre je vous recommande that. Think and Grow Rich boum il ah, link est in the description. Ce, 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 simple, ce livre simple de Napoleon Hill. dis-moi les. Et, et, je, les dire, je, je vais te dire, le, 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 le... Ouais, je l'ai vu dans la vidéo, mais. Je te dire le résumé du livre comme ça, en une phrase, ou en une, en une petite histoire, ok? Moi, le, le derrière du livre, là, c'est Non, ça je veux dire l'intérieur du livre, okay? L'appendix. Non, le, dedans, là. L'appendix, glossaire. C'est tellement <laughs> simple, ok? Le, le livre, Uber il dit ça. Il dit. Un prof en économie a la connaissance pour générer de l'argent et tu as l'élève qui apprend du maître en économie pour faire de l'argent. Okay? Le prof a décidé d'échanger sa connaissance contre salaire d'être enseignant parce qu'il aime enseigner, il va enseigner. L'élève va prendre la connaissance de l'enseignant pour produire de l'argent. Il y a une décision qui se fait. L'élève prend la décision de prendre la connaissance de ne pas l'échanger contre l'enseignement, mais de générer de l'argent. L'élève devient millionnaire, l'enseignant il est heureux à enseigner. Ça veut dire quoi, en fin d'histoire? Tu produis l'argent que tu veux produire parce que tu aimes ce que tu fais. Et si tu n'aimes pas ce que tu fais et ça ne te produit pas assez d'argent, change ta mentalité, puis commence à générer de l'argent. C'est simple à de même. Puis commence à appliquer dans ma vie à moi. J'ai un ami qui m'a demandé, Alex, peux-tu me faire un service? J'ai oui, dit oui, dis-moi. Il m'a dit... Alex, peux-tu me sortir cinq échéanciers? Dans ma tête, à moi, c'est comme, ben bah oui, je fais ça demain matin. Tu veux quoi? Quel projet? Envoie-moi l'information. Il m'envoie l'information, puis dans ma tête, c'est comme, c'est mon boy de longue date, je ne veux pas lui charger, parce que c'est mon boy. J'ai calculé passer cinq heures dessus. Je voulais passer cinq heures parce que c'était mon ami, le faire gratuit, et il me texte, tu me, diras ça, tu me diras combien je te dois. Je veux être comme, oh. Je venais juste de finir le livre, puis j'étais comme, hein. Eh? Il me demande combien il veut. Mais c'est mon boy, je ne vais pas charger. Je me suis rappelé du livre. Si tu veux faire gratuit parce que tu le veux, ben fais-le gratuit pour son ami. Mais ne chale pas après, après 5 heures. Tu as calculé 5 heures, c'est tu l'après-dix, ça pas été payé, ne chale pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme, ben yo, 50 pièces de l'heure, ça va me prendre 5 heures, je va charger 3 heures. Je texte, 150 pièces. Il me dit, good, je t'envoie le transfert. OK. Bro. Oh. C'était mon boy. Puis écoutez ça, pas parce que c'est ton boy qui, tu dois pas payer. Au contraire, lui savait que j'allais passer du temps dessus. Il sait comment ça marche. Lui c'est un entrepreneur aussi. Il a dit, moi je paye les gens pour faire des choses. C'est ça ma job. Je paye et je reçois un service. Tu vois. Puis toi Donc, le gars, il m'a dit à moi. Puis moi je voulais faire gratuit. Il y a beaucoup de gens comme vous aujourd'hui qui m'écoutent comme moi j'ai été, qu'on veut faire des choses gratuites pour son ami. Mettez un prix. Si, si vous voulez, mettez je, un prix, vous êtes payé. Je fais référence dans le, 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 le 28 jours. Je pense c'est J13. Okay. Euh, Julien Bournival. Il a, il a dit quelque chose de super intéressant, puis je vous invite à aller voir son podcast. Shout out à Julien Bournival, ton Grow the Pack euh, podcast il a dit quelque chose parce que j'ai réécouté toutes les tapes encore là, il faut que je réécoute toutes les choses aussi parce que sur le moment tu es très excité émotionnel puis ça rentre très vite l'information mais quand j'ai réécouté un certain Mabou, lui quelque chose qu'il a dit, guys, c'est que il faut que tu comprennes c'est quoi ta valeur en premier avant que tu fasses n'importe quoi là, Comprends c'est quoi ta valeur à toi. Puis dès que tu vas comprendre ta valeur, tu vas remarquer que tu que, que les personnes qui sont prêtes à aller avec ta valeur, ils vont te respecter puis tu vas aller à la prochaine étape. Puis les autres qui ne sont pas prêts, ben ciao, bye. Ciao, bye. Ciao, bye. Puis une fois que tu ré réalises c'est quoi ta valeur à l'interne, c'est comment tu te respectes toi-même, bien, c'est là que tu vas remarquer que certains projets comme tout qu ce que tu viens de dire, c'est que, yo, regarde, t'es mon boy puis tout, mais tu sais, il y, y a du travail, il y a l'expertise derrière ça. il ouais, y a du temps. Puis hein? un vrai boy il va pas t'argumenter sur vraiment comme... Le, pro, euh, le prix, là. Exactement, parce que c'est déjà que... Parce, juste, justement parce que ton boy, il sait déjà que toi, tu vas mettre encore plus de cœur au projet que ça serait vraiment peut-être un, ouais. une référence ou un inconnu, et ainsi de suite. c'est que quelque chose que vraiment les personnes doivent comprendre. Puis ouais. des fois, que quand il y a des, des, des personnes assez proches qui me demandent pour certaines fibres, je suis comme... Ah, je suis pas trop down. Mmh. Puis... Puis, puis, je vais dire quelque chose encore du livre qui dit c'est simple, l'argent que tu gagnes, l'argent que tu gagnes aujourd'hui, c'est l'argent que tu veux gagner. Exactement. Okay? L'argent que tu gagnes aujourd'hui, c'est l'argent que tu veux gagner. De, tu me dis, tu t'es pas content à 50 000, tu veux 100, parce que tu choisis 50. Va vouloir, va, va chercher comment faire 100, puis mets ton énergie à avoir 100, et t'auras 200. Tu vois je veux dire Puis, tu sais, pour se rendre là, là, je comprends exactement, puis. Pour quelqu'un qui est genre, très genre prématuré dans la game de tout ça, de négociation, de business, entrepreneuriat, de où est-ce que tu t'en vas, c'est dur à vraiment comprendre ce concept-là. Quand tu commences à avoir plus d'expérience, puis tu as dealé avec plusieurs personnalités, tu as, as connu le, 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 le refus, tu as gagné les victoires, tu as connu toutes ces. Là, tu commences à as connu comprendre. La perte. Exactement. Tu commences à comprendre comment positionner cette valeur-là comme guys. Moi, je vaux 100 000, c'est 100 000. Tu me ouais. donnes pas le 100 000, ciao, bye. Ouais. Il y a des fois du monde qui disent, je comprends pas comment, ça c'est souvent chantant. Comment ça, l'autre ingénieur gagne plus que moi On est sorti de l'école en même temps. Peut-être qu'il bon. travaille encore plus fort. Puis, Quand... Il y a juste. puis il y a trucs, là, de comparer. Il y a d'autres trucs à l'entrevue. Il y a des trucs là comme ça. Je dis, les gens, ils, ils disent, tu veux gagner combien Tu dis, ben je veux gagner 60. Ouais, il me dit, yo, il dit, l'entrevue, en tu veux gagner combien Il dit, je veux gagner 60. Je dis, OK. That's it, nice. Ouais. Okay. Là, l'employeur le, le, le regarde, il fait comme OK, mais. Tu gagnais pas déjà. Tu gagnais pas 50, 50 à ton autre job? Il est comme Ouais, mais je veux, je veux 10 de plus. Mais nous, on t'offre 55. Il fait comme euh, OK. Tu vois? Et là, et on et on là tu fais 60, tu pas? Pro comme débat, refuse la job, va chercher ton 60. Comme Comme le gars me dit Pourquoi il gagne plus que moi? Ben parce que lui a voulu avoir plus que toi. J'aimerais ça faire une anecdote d'une expérience oui. qui s'est passée dans ma vie par rapport à négocier son salaire. Puis c'est toute une perspective. C'est fou que. Regarde j'essaie de faire le plus court et qu'on qu'on vraiment mais quand j'ai commencé ma business c'est dur pour fucking tout le monde Je n'avais pas tous les revenus puis la vérité à un moment donné j'avais peut-être abandonné fait que j'envoyais mon cv j'envoyais mon cv à une compagnie d'aérospatiale, de des hélicoptères whatever puis je cherchais quelqu'un avec mon skill ok le salaire de base c'était 55 mais moi dans ma tête je suis comme je voulais pas retourner ouais. je voulais pas, ça fait deux ans que je suis en business je ne voulais pas retourner puis quand j'ai fait l'entrevue puis tout ça puis je continuais à leur dire comme guys donnez-moi un contrat regardez genre je vais faire la job mais donnez-moi un contrat comme ça moi je peux maintenir so, quand as, même. T'as eu une différente approche t'as pas donné moi un salaire. Exactement. exactement. Fait que, eux c'est 55 qui, qui donnaient puis ils ont interviewé tout plein de personnes puis c'est moi qui vraiment qui voulais. Mais parce que moi je suis allé là pour aller chercher un contrat plutôt qu'un salaire. Moi je leur ai dit non puis j'aurais dit regarde à un moment donné fait que je leur ai dit non à qu ce qu'ils me disaient au début. Ils ont augmenté. Fait ils ont dit comme, Ah, oh, OK, fait que tu ne veux pas la job. Tu es, es la personne qu'on veut que tu travailles avec, mais à 55, tu n'es pas down. » Ils m'ont raised à 60. Ils disent, regarde, je te donne 60, mais avec ces termes-là. Puis moi, je suis comme, je sais pas, j'ai pas envie. Regarde, donne-moi peut-être euh, ça avec ces termes-là. Puis ils n'ont pas accepté. On a fait trois back and forth, trois back and forth, trois back and forth. Jusqu'à temps que la, la dernière offre qu'ils m'ont proposée, c'était 70. On dit 70, puis tu fais ça. Je suis comme non. Puis regarde, I, <laughs> I was just testing the market. Thanks <laughs> <to buy. laughs> Exactement. Puis regarde, c'est ça l'affaire. Ce que j'ai réalisé après ça, c'est la seule raison pourquoi j'ai réussi à monter l'offre de leur part plus élevée de qu'est-ce qu'ils offraient à la base. C'est parce que je me suis positionné différemment. J'étais pas désespéré pour une job. Moi, je voulais un contrat, puis ça, c'est les termes que je voulais. Si tu me donnais pas mes termes, ben ciao, ouais. bye. Puis, si je me mets dans l'autre bord de la médaille où est-ce que je pas, je ne cherchais pas un contrat, je cherchais une job, j'aurais sûrement pris le 55. Oui. Fait que j'ai appris quelque chose de là comme, oh, négociation, c'est fou quand ta perspective est différente. Parce que tu t'en vas là pour, oh, tu vois que les personnes, oh, il est désespéré, on va, on va essayer de le, le, le chercher le plus avec, en donnant le moins. Mais si vous allez là avec un autre positionnement que, hey, on, on va t'en donner, où est-ce que, non, c'est pas moi qui ai besoin de toi, c'est vous qui avez besoin de moi. Exact. La ça, game, est... elle change beaucoup. Puis ça, c'est un truc que je trouve que faut, faut avoir quand même du caractère. Là, on tombe un peu du côté entrevue. c'est trouve quand même qu'il faut avoir du caractère. C'est genre, euh, quand tu entrevue, on dirait que tu as la pression de te mettre en valeur. C'est pas ça. Tu dois <laughs> être, comme on dit toujours, comme la meilleure chose que tu dois vendre, c'est toi-même. Okay, c'est ça qu'on m'a toujours dit. On m'a toujours dit, oh, tu vends toi, il faut que tu vendes toi, puis il faut que tu vends toi, puis les gens ils vont t'acheter. tu vois? Radio, à une certaine étape de, de, de mon parcours d'échange de travail ou pas, je me suis dit, pourquoi ce n'est pas moi qui évalue l'entreprise qui est devant moi Tu vois ce que je veux dire Boum. Moi, je suis arrivé, in je me suis entrevue, c'est comme, OK, moi, j'apporte ça. Mais vous, comment vous, vous répondez à ça tu vois Pourquoi j'en je ai travaillé pour toi ouais, C'est comme... quoi les chances Moi, la première question que je posais toujours, c'est comme, OK. Je commence là, je vais où après Qui, qui est aussi de moi Ok, c'est bon. Et la voiture, c'est des chantiers, c'est la poussière. Vous faites quoi avec ma voiture Pourquoi je pourquoi je mettrais ma voiture à votre service Pour... L'autre personne aurait dit Ah, en passant, j'ai une voiture, je peux me déplacer. Moi, c'est pas. Non, moi, je prends mon auto. Qu'est-ce que tu me fournis comme voiture je me dis dit oh, Mais t'es arrogant. C'est pas une question d'arrogant. Que je connais me ma valeur. Pas ça, mais ça, il me dit ça. Il me dit oh, non, non, mais l'autre la compagnie m'offre une voiture. Est-ce que tu en offres une toi Tu vois, je veux dire. Ça marche. des deux côtés. Mais je réalisais que ça, ça marche juste avec la confiance. On revient à la question de, avec euh, Julien Bournival tantôt. Comment que quelqu'un peut trouver il vaut quoi C'est quoi sa valeur Exemple, moi, c'est quoi ma valeur Comment je peux trouver ma valeur à moi Ce serait quoi un processus pour step by step, bang, 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 bang T'as aucune idée au départ, puis à la fin, ben, tu as une petite idée de combien tu vaux, qui exemple, de l'heure ou de la job. Mais parce que ça, ça à voir. parce que tu peux avoir beaucoup de confiance, mais aucune expérience. Il n'y a pas, une, y a pas une réponse. Il y, y, y a beaucoup de, 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 de facteurs qui je pense qui viennent en. Non, il n'y a pas une seule réponse, il y a plusieurs facteurs. Tu peux nommer des facteurs. Parce l'affaire, c'est que moi, je dirais, quand on apprend première chose, comme oui, tu peux avoir la confiance, mais il faut que. Parce qu'une fois que tu mets ta confiance, là, il faut que tu sois capable. Il faut que tu sois capable de vraiment de, de, de fournir. Mais ça aussi, exemple. Moi, un des bons trucs que mon frère m'a donné, c'est quand tu, surtout quand je suis consultant aujourd'hui, c'est genre, quand tu vois un client, arrête de te vendre. Arrête de dire, euh, j'ai 5 ans d'expérience, j'ai si Demande au client... Fais juste donner un prix, genre. Non, même pas. Tu dis au client, qu'est-ce qu que vous avez besoin? Vous avez besoin de quoi? Je veux une rénovation complète. Qu quoi? Quel type de plancher vous voulez? OK, je, ce type de plancher-là, la salle de bain, je la change, je la modifie pas. Non, luxe, semi-luxe ou euh, normal. OK. Puis ça, OK, puis ça, OK. Là, je suis capable d'avoir l'information du client. Tu vois? Et la valeur du prix que je vais mettre, ben, c'est le temps que je risque de passer dessus. Mais mmh. Madame, c'est quoi votre budget 50. Ben, madame, vous me demandez du luxe. Il n'y a pas de 50 Il n'y a pas Il a pas le 50 000. Eh, madame, je suis désolé. Elle dit, ben, dans ce cas-là, peux-tu me faire un, un truc semi-luxe Oui, je peux. Tu vois le dire? Et voici le prix. Mais quand j'offre le prix, ce n'est pas une question de ce que je vaux ou je ne veux pas. Non. C'est par rapport à ce que la madame demande. Fait premièrement, faut que tu saches qu'est-ce que tu peux. Deliver en combien de ouais, temps? Comme quand tu vois l'entrevue, la exemple, qualité que tu vas deliver. Moi aussi. je commence comme ça. Je, je présente mon. On voit l'entrevue, ils me disent Ah, ça c'est un truc qui m'a toujours énervé. Je vais m'ouvrir le cœur live là. Go! Il y a un truc que je déteste <laughs> le plus, c'est genre quand ils <laughs> sont l'entrevue, puis ils me disent Ouais, vous savez monsieur qu'un ingénieur junior, le salaire moyen c'est 50? Je dis Ouais, j'ai fait la même recherche que vous. Qu'est-ce si qu que tu veux dire par là? Ben, le salaire moyen est à 50. Je dis, OK, mais moi, je demande 70, je ne comprends pas, je ne suis pas dans la moyenne des gens. Je dis, si tu veux chercher quelqu'un de moyen, ben, je ne suis pas quelqu'un de moyen, je suis désolé. Et ça, je ris après, tu vois, là, elle rit aussi. Tu comme madame, là, on parle sérieusement. Vous avez un projet à livrer, le projet est votant, voici ce que je suis capable de fournir, selon ce que vous me demandez, ben, je suis capable de faire ça, puis je suis quand même de manière, une manière autonome. On ne se connaît pas encore, mais ben, c'est là où je vous dis, si tu ne me connais pas, pourquoi tu me considères moyen Pourquoi j'ai un salaire moyen Boum j'ai pas un salaire qui pourquoi, pourquoi laisse moi là dans ce cas là je dis regarde si tu me considères moyen et je fais un salaire moyen on va faire un deal avec toi après deux mois si je suis indépendant à ton directeur de projet ben je vais 75 je veux 80 et là ils font comme ok let's talk now tu vois là ils vont faire comme ok ben dans ce cas là on a ça à faire là ils commencent à me présenter le projet ils présentent ceci es tu es confortable avec ça tu dis quoi? oui je dis ouais c'est bon mais on fait un deal live j'accepte on va dire, j'accepte 55, pas le 50. J'accepte 55, mais j'arrive à être indépendant à ton directeur, je vais 75. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Être indépendant, à ton... indépendant, indépendant tu... à ton directeur. Ça veut dire que, que si tu engages quelqu'un, que, que le directeur doit le surveiller puis être comme... La personne, Yo. tu peux lui donner, genre personne, carte la carte personne, blanche puis, tu sais, la job. Ouais, genre, la personne yeah, yeah, qui, yeah. qui est à charge de toi, si elle doit toujours te baquer. Genre, top hey, of project, dans le fond. Top of project. Hmm. Non, non, okay. dans ce qui tu as, as un directeur que si tu es toujours en train de pour dire Yo, je, je, je peux t'envoyer le courriel Yo, en passant, la commande n'est pas rentrée, est-ce que tu veux que je la, prenne la commande Tu vois, ce que je veux dire? Yeah, yeah. Et moi, je te dirais, personnellement, j'ai eu ces deux de conversations-là, puis j'ai atteint le salaire que je voulais, parce que le deal qu'on a eu, c'était comme, je considère correct qu'on ne se connaît pas, mais si j'arrive à atteindre les objectifs que tu me présentes, ben, on se renégocie à la table. Puis, je ne veux pas te mentir que le directeur, il, il a évité plusieurs courriels que j'ai envoyés. Je comme, yo, ça fait deux mois, on se rencontre. Il n'a pas répondu. J'ai dis, ça fait deux mois. J'ai fait de quoi J'ai bypassé le directeur, je suis au président, je suis comme, yo, j'avais un deal avec ton directeur. Il n'arrête pas de me fuir. Donc, moi, je dis, ciao, bye, voici ma de démission. Il a dit, oh, oh, il se passe quoi ici Là, là on s'est assis, le directeur, on a expliqué la situation, on a fait, OK. C'est bon, tu as le salaire que tu veux, Alex. To Toi, tu es Imagine capable de... facilement d'utiliser la carte kit ou double. Ça, c'est un kit ou double. C'est genre, ben, yo, dis, on a que, fait un deal. Par... Il, y a différentes, on dit, il y a différentes manières de prouver ton, ton prix. puis Ça, c'est mon approche à un moment que je ne connais pas ouais. les, autres, les, autres, les autres manières. Moi, je sais que qu'en construction, une manière que j'utilise, c'est être capable de livrer un projet puis te dire, regarde, je suis indépendant. Quand tu es un junior, c'est comme ça. Il y a d'autres façons de le faire. Par exemple, il y avait deux gars qui étaient motivateurs. Un chargé de 10 000$. L'autre chargé 50 000. Tu me dis quoi la différence des deux Un meilleur que l'autre Non. Lui a dit je vaux 50 000. Lui a que je vaux 10 000. That's it. Il n'y a pas une manière de prouver ce que tu vaux. C'est une question quand le gars lui a demandé hey, Excuse-moi, combien tu vaux pour faire des speeches Les Brown a dit Moi, je vaux 50. Moi, je vaux 25 000 de speech. Il dit, 25 000 de speech Chris, il doit être bon ton speech. On a 100 000 personnes qui t'attendent à 25 000 dollars. Bon, book. Il va voir le go, John Moroney. « Moroney, tu vaux combien je ne sais pas. Deux mois, 10 000 pour les speeches. Ok, j'ai 100 mille personnes, c'est book. Tu vois Au niveau prix, Les Brown est beaucoup meilleur que John Moroni, tu vois Mais les deux font les mêmes speeches. Là, John Moroni appelle Les Brown et dit Yo, comment tu fais pour gagner autant, man Puis j'ai plus d'expérience que toi. Il a dit Just put the price. Les le gars, it. le deuxième appel qui a répondu Yo, tu veux combien Il a dit Je vaux 30 mille dollars. Si, si ce n'est pas en bas de ça, je réponds pas. Bye. Il a envoyé un courriel. Ok, c'est à plus de 30 000 dollars. <laughs> tu vois, je veux dire. Just put the price. Pour, en, en consultation, en tout ce que tu veux. Les gens vont te dire le salaire moyen, c'est ça. Mais en quelqu'un de moyen. Réponds ça. ça si tu es confiant dans ce que tu fais, ben. tu veux quelqu'un de moyen. Puis, paye moyen, tu vois. Puis j'aime la direction de où est-ce qu'on est allé avec ça parce que je pense que c'est une des problématiques qui se passe en ce moment. Tu sais, je check des vidéos et ça va être comme comment se préparer pour une entrevue. Puis ça va être oh, comme, j'ai hâte de faire une vidéo. Tu sais que ça c'est un, un peu, <laughs> ça c'est juste un peu de gauche droite là, mais on va faire une vidéo parce que moi je suis énervé avec ces trucs de RH de, de 5 ans d'expérience, 3 ans d'expérience. Yo, fuck, yeah. oh. <laughs> yeah. Marc a pris le micro. Ouais, ouais, l'entendre le je... le 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 celle yeah. là. Okay. Non, mais ton truc de prix, là, ça me fait beaucoup penser, euh, moi, dans le domaine de la photographie, surtout, là, quand on doit donner un prix au client, comme le client vient, tu sais, t'as dit, ah, oh, faut que tu écoutes le client, qu'est-ce qu'il veut, c'est demain. À partir de là, je suis capable de mettre un prix, uh -huh. puis savoir combien ça va coûter. Ah, oh, tu veux un tu veux nombre de photos X, tu veux ça, ok. Tu veux des plantes dans ton set, tu veux ça, tu veux une vidéo, tu veux mettre sur Instagram, tu veux des choses, nanana. Ok je rajoute ça à ma liste je vois le prix ça fait combien oh ils font un studio location de studio ok tout je donne le quota là on arrive quoi comme dans les 2000 et plus dollars puis là ils sont comme hein 2000 je suis comme but you want that c'est ça que tu as demandé but you want that don't you want that tell you it was to be cost that much tu veux une mercedes ou mais moi mon truc quand un client il me dit ça ok je te prends il me dit tu me fais un meilleur prix Je, dis, ouais, je peux faire un... il me dit, « ah oui, c'est quoi ton meilleur prix J'ai je dit, je choisis ce que je coupe. Mm -hmm, exactement. Ah, exactement. Aïe, exactement. Oh, exactement. <laughs> exactement. Choisis... Ils me disent, il yo Alex, je veux une salle de bain. Ok, 8000, c'est trop cher. Ok. Que, tu, vois, ta que ta, que tu vois ta céramique à 5 piastres le pied carré T'en veux-tu une à deux ?»« Non, ma femme le veut. Ah Est-ce qu'on change le bain Autoportant, je mets un bain standard. Alex, le bain, si on l'a déjà acheté, OK? Ah. La vanité à 300$. dollars, veux vu une 100$? Mais là, Alex, comment si je veux une belle salle de bain? Monsieur, puis... une belle salle de bain, il y a un prix. Là. Hey! Mm -hmm. là, ils font quoi? Je vais voir ma banque. Gros talk shit, là. On va voir sa femme. On va voir la banque. <laughs> puis je vais te dire son pour va voir sa femme, sa femme va dire quoi? La banque Juarez. »« va changer ah. mon bain. Il va changer ma céramique. Ben, lui, ce qu'il demande. Lui, il m'appelle, il me dit Yo, c'est chill. Là. Comme la banque, la banque. m'a approuvé <laughs> un surplus. <laughs> oui, okay. Donc, c'est simple. Yo, quand un client veut négocier, je vais vous dire un, un vrai truc. Là. Quand un client négocie, je pense, je ne sais pas, je déjà donné le truc, là, mais bon. Si tu as donné un prix à 5 000 et ton prix négociable est à 3 000, là, on as un anesthétique de tata. Man. Parce que moi, quelqu'un qui me dit Yo, Alex, puis il y a du monde qui m'ont déjà fait ça. Ils m'ont dit, Alex, la job pour tes deux maisons de peinture, ça coûte, ils m'ont dit, 25 000 par maison. J'ai dit, 25 000, bro? Comme, yo, je paye pas ça. J'ai payé 30 000 pour les deux maisons. OK? Je me sens comme un... Lui, là, il, il sent comme un tata, là. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si j'avais accepté, tu m'aurais crossé d'une maison que j'aurais payé comme... T'aurais eu une maison gratuite. Non, lui, il a eu une maison ouais, gratuite. Ouais, ouais, c'est ça. Une... Mais, puis c'est mon boy, genre, comment oh. je me sens qu'il me... Il me dit, ah, hey, j'ai fait un prix pour toi, Alex. 30 000 pour les deux. Moi, je ne suis pas content. Je mm -hmm. comme « pourquoi j'ai dû te négocier au prix que tu me donnes ouais. Comme, je ne suis plus direct. à faire avec toi, parce ouais. que tes prix sont ridicules. Mm -hmm. J'ai perdu ma confiance. Mm -hmm. Alors, les gars, quand, les gars, fille, entrepreneur, consultante, trans... mais yo, quand vous donnez un prix, s'il vous plaît, donnez un prix raisonnable. Puis quand vous négociez, baissez de 500 1000 Mais yo, si tu arrives à 5000 000, puis tu me baisses à 3000... Ça veut dire que si je n'avais pas négocié, tu ne mettais 2 000 plus ton profit. Ça veut dire que même à 3 000, tu fais encore du profit. Comment, guys? Ça ne se fait pas. Là. Ouais. Soyez raisonnable dans, dans vos prix. puis quand vous baissez, justifie... Un autre truc que je dis à mes gens euh, quand je fais la consultation, quand tu baisses un prix, justifie. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Yo, j'avais un peintre senior. Un peintre senior, il me coûte 120$ de l'heure. Tu veux un prix plus bas, la qualité va baisser. Je te mets un peintre junior, un apprenti. Moi, je ne veux pas d'apprenti chez nous. Ah, paye pour euh, qu ce vois? que tu recherches. Un apprenti m'écoute 60 pièces de l'heure, l'autre m'écoute 120. Prou Juste, je en train de dire là, c'est prouver que vous baissez le prix. Dites-le comment. Ouais, ouais c'est ça. Ben, dans le fond, quand le, le client, il voit, il voit le quota, puis comme wow, c'est de l'argent, tout. Mais comme, dans le domaine de la photographie, production, tout, comme, tu sais, le matériel, c'est très cher. Tu vois, la production, c'est cher, le editing, comme, tout est cher que tu veux pas ou pas. C'est comme, c'est reconnu pour ça. Mais, faut, dans mes codes, moi, j'éduque le client sur où son argent va ouais. et le pourquoi. Quand tu fais des quotas détaillés, là, tu dis, OK, tiens, oui, tu as donné 2 dollars, mais il y a un truc, faut que tu comprennes que dans ces 2000, je ne vais pas toucher 2000. Il y a dollars ouais, ouais, a... qui valent le je 2000, ouais, direct dans que direct dans Porsche, Non, là. non, Tu vois, non. je m'achète une Porsche après ça? <laughs> non, non. Je ne vais même pas faire tout mais ça. Je fais une anecdote, puis ça, ça va être pour toi, uh, Good Vision. Euh, je checkais genre un photoshoot euh, hier avec ma femme d'une euh, personne. On va pas nommer personne, mais. Il s'appelle Pierre. Salut Pierre. Ah. <laughs> ma femme, je, je pense, à check le photoshoot, puis elle check ça, elle check ça. Je suis comme, yo, c'est quoi ce lighting-là? Là? Je, je yo, c'est quoi ça? ça c'est le photoshoot professionnel, puis ça, c'est édité. Puis elle est comme, yo, une chance qu'on ait Good Vision ici. Là. <laughs> Ici, le... ouais. <laughs> ouais, là-bas, ouais. c'est comme, yo, tu peux voir la différence de qualité entre quelqu'un, admettons, qui, qui ouais. se dit faire quelque chose, puis quelqu'un qui ouais. le fait vraiment. Puis moi, puis... je dis un autre truc, là. ça se peut que ça, ça t'enlève des clients à goût de vigile, là, mais yo, les gens avec vos photos de mariage, là. Et il y a un vrai photographe qui prend comme, pas 5000 photos, là. 1000 belles photos. Parce que nous, les gens normaux, on se retrouve à les regarder ces 5000 photos-là pas fun, là. puis t'as cinq familles à checker <laughs> ça. Cinq... Arrêtez ben, de faire ça, là. Le gars, il prend des photos d'une plante dans le mariage. Yo, je m'en tape-tu de la fleur? Yo, je vois tout de de cette fleur? Non, man. Il prend des photos des guirlandes. Yo, mm. moi, je suis là en train de voir chez les gens qui sont mariés. Je regarde ça puis je suis comme... Je regarde ma femme, elle me regarde, moi, je suis comme... Yo, dis que les fleurs sont belles, yo. Je dis que les fleurs sont belles. <laughs> Photographe, yo. Comme, pogne les bons momentum. Pogne les sourires, c'est nice. Moi, j'aime ça regarder, c'est nice. Mais quand je vois comme une suite de comme les dix prochaines photos, c'était que des plantes puis les roues des Max de la de la limousine, j'étais comme seriously bro. je sais pas avec qui t'as pour ça Yo, il a aux gens qui regardent vraiment les photos là. Je pense que les photographes se disent yo, ils vont jamais voir les 5000 photos là. Ils vont voir les 10 premières, ils vont voir. Tu es il je veux dire yeah, fake. Je pense, pense qu'on qu va faire ça. Je pense qu'on va faire une capsule. Là. Ouais. Une capsule on va, là. On va aller interview, beaucoup. mais les vraies interviews. là Comme euh, interview là où, où tu vois un poste où c'est écrit 5 ans d'expérience et tu en as 3. Et le salaire est de 160 000. Et toi, tu es en train de gagner 80 000. Après le, la capsule, tu vas être confortable de postuler. Sans te sentir mal. Parce qu'il y a un truc aussi, il y a, il y a, je pense que c'est Les Brown qui dit... Faire le million de dollars, c'est pas compliqué. Croire que ça t'arrive à toi, ça c'est compliqué. Ouais. Non, une autre chose aussi que je pourrais dire, juste pour euh, finir avec ça, c'est la réponse va toujours être non si vous posez pas la question. Ouais. Mm -hmm. Postule posez Pose cinq ans, la question, c'est quoi le pire qui va arriver? Ouais, ouais. Ah non. Mais c'est quoi le meilleur qui va se passer? Quand... Oh, ok. j'aime okay. ouais. ça. Puis, puis j'ai vu un truc sur LinkedIn, j'ai pas répondu pour éviter de discussion politique, là, mais quelqu'un me pose comme On peut-tu faire comme fuck off le 5 ans comme Fuck le 5 ans d'expérience. C'est un standard. 3, 5, 10. Tu postules à la ville de Montréal, public, ils te disent 3, 5, 10. On peut-tu couper ce nombre On peut-tu arrêter ça quand comme, le... Yo, personnellement, on peut-tu enlever ça, là, les standards de 5 ans, tu vaux tant Ça vaut plus rien aujourd'hui. Ok, Alexis, donc c'est quoi la pire job que tu as eue de ta vie la pire job que j'ai eu, Yo, je ne euh, sais même plus si c'est un Harvey's ou je sais pas quoi, c'était quoi The Freddy Burger C'était un AW au Rockland, ça se peut-tu Le gars, il pas manger là-bas. <laughs> le gars, il me sous ma bad, bro, sous moi. Man. Yo, je faisais les frites, mon gars, je, je sais pas qui J'étais au cégep, je cherchais une job, j'étais désespéré. Là. Ils m'ont fait engager, bro, puis je me rappelle. Il y avait un produit qu'on mettait dans l'eau chaude, man. Je rentrais me mettre dedans, c'était brûlant, man. Je suis comme, c'est quoi ce job? J'ai mis des gants. J'ai dit au monsieur, peux-tu prendre des gants? Il me dit, t'es un fif ». Je suis comme, yo, je suis pas un fif, bro. juste C'est fucking... tout rouge, mais bras, bref. bref. Je suis en train de faire une poutine. Puis je suis en train de faire devant le customer. Je fais la poutine. Des fromages et des frites tombent, you know. Le gars, fait. Ah. Là, je fais comme, yo, my bad, là. Je donne la poutine, puis tout. Le gars, il vient me voir derrière. Il me dit, prochaine fois, tu fais ta poutine derrière. Je suis comme, OK. Comme ça, si le fromage tombe, tu le remets dedans. Il n'y a pas de perte ici. Yak. Bro, oh, j'ai fait. Bro, j'ai Je vais pas manger là. Bro, 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 bro. J'ai tiré. J'ai tous les fromages J'ai duré deux jours. Non, Je pense que j'ai fait comme trois jours. Puis là, je ne suis plus retourné. Les gars, étaient trop fous, man. Je ne suis plus retourné. Là, mes parents m'ont dit que tu, vas... tu vas chercher ta paye des trois jours. Je suis comme non. Il garde, 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 là. Il garde ton argent. De mais... Poutine. Yeah. <laughs> toi, toi c'est quoi ta pire job? Yo. Yeah. <laughs> <laughs> <Yeah. rire> ja, je sais pas, j'en ai, ai tellement de pire jobs. Attends, mais il y en a une qui vient à la tête directement, je vais la nommer celle-là. J'étais euh, sécurité au Ardenne. Oh, oh c'est Imagine oh. voir sa tête au Ardenne. Tu oh. penses que oh. c'est un pédophile, bro? <laughs> Yo, bro, mais j'avais euh, 18 ans, 19 ans. Et tu faisais quoi? Tu t'habillais en civil, non? En normal? civil. Ma, ma job, c'est dans le fond essayer de pogner les filles, les petites filles qui volaient les trucs, les accessoires. OK, t'étais undercover, genre. Ouais, ouais. Oh, les le gars coûtaient le plus cher que les produits made in China, bro. <laughs> j'ai taffé trois semaines. En trois semaines, combien de personnes j'ai coté? Combien? Zéro. Zéro. <laughs> Pourquoi? Tu l'as laissé passer? Tu l'as laissé passer? <laughs> tu te sentais mal? Il comment pas la petite, bro. » Il était en train de s'enlever, il était en train de manger. <laughs> Le gars il a dévoilé, il, il faisait comme « Ah, c'est chiant, <laughs> Mais c'est tellement passé qu'un gars au Arden Undercover… Mais justement, ça, la suis comme yo, vous avez pas pensé à ça. J'ai comme « gars, le gars là, toutes, toutes les petites filles savent déjà tu sais, que, que je suis là en train de glander dans la même rangée. » En plus, il les suit, comme « Yo, ce gars-là, il fout, quoi, là. <laughs> est fou, quoi. » Vous avez baby. ça, je vais le dire dans ce podcast-là, mais je vais le redire après. Live, j'ai une job de rêve, OK? J'ai une job de rêve live. Là. Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu as un job de rêve. Parce que je fais exactement ce que j'ai toujours, toujours voulu faire. Et c'est quoi ça? Faire ce fais ce que je veux faire. Quand ça? Okay? Parce que moi, j'ai une tête dure, puis le monde le savent, là. Voilà. Ouais. Puis il dit, ouais. On dit pas ça, voilà. <rire> ouais. <rire> ouais. C'est pour ça que tu es ici dans le podcast. <rire> <rire> il, y a juste, il y a juste, vous êtes obligé d'écouter. là. Ça, c'était <laughs> l'entrevue du début, ouais. là. Ouais, ceux qui veulent pas. Si tu une tête dure, <laughs> qui il va. Ouais. Que sont, toutes les questions ceux qui sont d'accord que j'ai une tête dure continuent à voir les podcasts ceux qui sont pas d'accord arrêtez de voir le podcast mmh. bon je fais ce que je veux ok je veux dire comme ça ok j'ai une tête dure puis je, je le montre puis je le fais ok moi je vais à la performance ça tu as été ma mentalité c'est comme tu performes bien j'ai rien à te dire tu fais ta job tu fais mal une job je te ramasse ok donc moi je passe mes soirs beaucoup de soirs je fais des vu que je travaille pour des entrepreneurs j'amène des nouveaux contrats mmh. je négocie le contrat avec les clients ça veut dire que les clients vont me dire, Alex, euh, tu bêtes combien la job? Euh, je fais des planchers, blablabla. Lui, il va me dire, moi, je vais me la job 5 000 okay? Je sais que mon coût à moi, c'est 1 000 C'est vrai, j'ai 4 000 comme de jeu. Pas de profit parce que tu as toujours des hauts et des bas. Ouais, ouais. Celui-là, il me dit, non, ici, tu es trop cher. Je, je refuse ton 5 000 4 000 Moi, dans ma tête, c'est comme ma règle de conseil que je donnais. C'est comme, OK, au check, j'avais prévu 6 gars, je t'envoie 4. C'est bon, 1 000 je coupe deux autres personnes. Il me dit, ouais, je suis content à 2 gars. Bon, j'accepte la job, 4 000, 3 000 dollars de profit. Ok? Est-ce que j'ai fait ma fucking job ou pas? J'ai fait ma job ou pas? Ok? J'appelle mes gars, ils vont sur le chantier. Ok? Tu sais ce que je fais au chantier? Guys, meeting. Ok. Toi, 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 vous commencez là, vous finissez là-bas. Les gars me disent, non, non, Alexis, on va commencer tous là, on va finir là-bas. Ok. Commencez là, finissez là-bas. D'accord, d'accord. Tu sais ce que je fais? Quoi? Je sors un fucking livre. le bac. Je prends comme ça. Je lis il se croise les jambes. Je lis mon livre parce que j'aime lire. Je lis mon livre comme ça. Et tu vois, le plombier passe, le client passe, tout le monde passe. Il me regarde comme tic moi paresseux. Et moi dans ma tête c'est comme be, ah, maybe may ah, maybe paresseux. Mais je suis en train de faire 3000 000 dollars de profit live. <laughs> okay? Je fais 3000 000 dollars de profit et je lis mon livre et je suis arrogant comme ça. Et je prends des notes. Et là je suis comme ça. Je suis comme. Hmm. Là, j'arrête, je, je dépose mon livre et je vais voir les gars comment ça se passe. Vous êtes confortable Il me dit, non, Alex, il y a trop de gens qui marchent ici, ça nous dérange. Je vois le, le, le responsable, je dis, regarde, on met une banderole de là à là, plus personne ne marche ici. C'est bon Je vois les gars, personne ne va marcher. Les gars, ils me disent, merci, Alex, une chance, es là. Je vois le client, il me dit, merci d'être là pour coordonner les choses. Je me rassis, j'ouvre mon livre, je lis. Okay? Dans d'autres jobs, ils m'auraient dit Tu fais quoi Tu fais rien On te paye à rien faire Moi, dans ma tête, en tant que consultant, je lis sur place pour que les gars avec qui je travaille comprennent une chose. Moi, quand il était minuit, j'écrivais ton contrat. À 2 heures du matin, je réalisais ton contrat. À 4 heures du matin, je faisais mes calculs. La préparation amène une belle exécution. J'aime ma job live. Je planifie mes choses d'avance. Je planifie. Je des choses d'avance. Et si vous allez au tacos nachos, manger des tacos, on passe du temps à la préparation. Comme ça, quand vous venez frais au comptoir, et on vous servit en bas de cinq minutes. Et si on prend plus que cinq minutes à vous servir, je vous offre le tacos, man. Dis-moi, je vous offre le tacos. La sauce normal. piquante est gratuite. <laughs> hein. Tu vois, ce que je veux dire, j'aime ma job parce que. Pas parce que je lis des livres. Je lis des livres parce que pour de vrai, j'ai fait de ma job. J'aime ma job parce que je performe et j'amène l'argent et j'ai un résultat. Mm -hmm. exact, je définis le résultat. Mm -hmm. Et si je prends un projet où j'ai un risque de ne pas faire d'argent, je ne prends pas le contrat. C'est simple de même. Puis tu sais quoi? Je ne travaille pas dans le même domaine que toi, mais je fais les mêmes choses que toi. Si je ne suis pas capable de fournir, je ne vais pas le faire. Exactement. Moi, ma job, c'est de performer, donner des résultats, puis tout le temps être devant. Si je ne suis pas capable de fournir. Mais mm -hmm. ça, un autre truc aussi. J'ai une réputation. Quand... Ouais. <laughs> puis puis les gars, on ne peut pas avoir, mais je suis tout sale en ce moment. Que je viens de je viens sortir. Je très sale en ce moment en train de <laughs> on prêté à... les fucking sièges. On m'a prêté un hoodie que j'ai donné en plus. <laughs> so, regarde, il y a aussi un, 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 un aspect que je donne. C'est quand je prends des jobs, puis des fois, il y a la job sale, comme Aujourd'hui, j'ai fait la démolition de béton pour les gars de plancher. Je l'ai faite. Simplement parce que moi, je mettrais aucun, aucun des gars que j'ai amené, je la fais faire la démission de plancher. Parce que si moi, je fais faire la démission de plancher à un des gars, ils vont me dire Yo, Alex, on veut plus venir dans tes contrats, parce que quand on vient, c'est de la merde. On est là à quatre pattes en train de casser du béton, ça ne nous intéresse pas. Donc, quoi, moi, service à clientèle, j'ai les clients, c'est mon équipe, qui sont là, et j'ai service client, la personne qui m'a appelé pour faire les planchers. Le service que je donne au service client, c'est d'avoir une belle équipe. L'équipe sur place, le service que je leur donne, c'est que ce soit agréable, le projet. Je vais faire des missions de plancher. Je suis consultant, je suis président, je suis ingénieur, crois-moi. Donne-moi un marteau, j'arrange le plancher, je le mets floche et les gars, ils viennent poser, je fais 3000 pièces de profit. Bang. Tu vois? C'est juste pour résumer, ça là-dedans, là, là c'est une job de rêve pour moi. La vôtre, c'est quoi? Tu vois? Bonne votre question. Entrevue, c'est quoi votre idéal d'entrevue C'est vous stressé ou vous confortable hein? Exactement, c'est une bonne chose ça. C'est quoi votre job idéal à vous Puis je me souviens, tu sais, comme. <laughs> ma femme, elle voit mes comportements, des fois, elle voit le côté arrogant. Puis je suis pas arrogant, je suis juste comme confiant. Non, t'es arrogant. <laughs> ma, ah. <laughs> ma femme me dit à un moment donné, yo, toi, si tu viens à, à une entrevue à ma job avec cette attitude, ah ouais, bon, je genre, bon, <laughs> pas. Yeah. Tu sais quoi Je veux même pas ta job. <laughs> Tu sais quand t'es refusé ah monsieur, vous... Je voulais pas. même pas travailler. Ouais, ici. vous ne fuitez pas <laughs> l'emploi. Ben justement, mon emploi, je voulais pas t'adieu. <laughs> <laughs> fait gang, je respectez-vous. Bang